see you? Did you lean out? We won't see you? Oh, so am I? Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, I just get a mic back. I do. Because you have 3 inputs and only 2 ins. So you have to mix. 2 of the mics have to be mixed together. On the face of it, Deepan does not seem like what people would expect from you. And yet, as the film progresses, it becomes very clear that it kind of fits in your oeuvre perfectly. Is that something you think is fair or fits your perception of the film? Au début, en fait, en regardant le film, c'est assez inattendu et assez différent de ce que tu as exploré. Au fur et à mesure que l'histoire se développe, on reconnaît ta signature dans le style et le genre. Est-ce que c'est quelque chose de... pour que je, il faudrait déjà que j'ai conscience d'avoir un style et une signature. Après, il y a toujours cette espèce de présupposé d'une œuvre. Moi, j'ai pas du tout le sentiment de faire une œuvre. Donc ça, c'est à la critique, à la recension de voir si des rapports entre les choses. Moi, j'ai pas du tout entre les différents films. Moi, j'ai pas du tout. À chaque fois, j'ai l'impression de faire un film différent. Donc, je sais pas. So, to answer the question of, you know, is this a story that falls into his style of filmmaking? That would presuppose that he has an awareness of what his style is, and also the presupposition of the sort of grand body of work in which each film fits, and actually he doesn't think in that way at all, and that's not the rapport. He doesn't think of the rapport or bridges between the themes of his film. Like each film is a different film. So how did you come to this material in the first place? Well, it's a long time ago. It was after I was finishing shooting the Prophet. And I come back from the set in the car and I have an idea. C'était de faire un remake de Chien de paille, de Peckinpah, avec des gens qui seraient venus de très loin, qui arriveraient dans une cité en France. Voilà. Mais c'était vraiment pour... ça m'est venu comme ça, mais je crois que quand j'y pense maintenant, c'était une façon de parler à mon scénariste. Okay, so really the point of departure was the spark was the thought of having a remake, doing a remake of Straw Dogs, Sam Peckinpah, and the concept was to have somebody from very far away, a foreigner, enter or come into the projects in France, and really the thought of Straw Dogs, and it was a way to communicate with his co-writer. And to have a starting reference, and from that point on, letting go. See, for me, it was kind of a death wish. Watching what? The movie, it felt almost to me like it was like if Death Wish was made, but with real people who actually feel things and actually have a reason, have a motivation, besides making a violent movie, that this would fit that to some degree. Death Wish, c'est le film Vigilante avec Charles Bronson. Ah oui. Et Rambo. Sauf que c'est avec un personnage qui est ancré dans une sorte de réalité. Oui, c'est comme le c'est que quand à la fois j'avais comment c'est curieux quand une idée vous arrive dans une forme qui ne vous plaît pas. Moi, comment j'aimais bien cette idée de migrants, enfin, de gens qui viennent de très loin, qui arrivent dans un endroit, mais je n'aime pas du tout le genre vigilante. Je trouve que c'est un genre naïf, brutal et par bien des aspects réactionnaires. Et donc voilà. Et en fait, je pense que longtemps je me suis battu avec ça. De plusieurs fois, j'ai failli arrêter le projet. Je disais non, c'est pas intéressant, je vois pas ce que je raconte là-dedans. Et puis, tout à coup, c'est en explorant le thème de la fausse famille, qui est le thème de la,
Oui, est-ce qu'on peut refaire une vie, est-ce qu'on peut retrouver l'amour, etc. Et puis qu'est-ce que ça fait de partir d'une structure apparemment fausse et qu'elle devienne vraie? Ça m'a intéressé. C'est presque un thème de comédie. Mm-hmm. So the thought, the initial thought of having an immigrant come mm-hmm. very far. It was searching for its own genre, because the vigilante aspect of the film, which is in the film, has a sort of naive and kind of brutal reactionary quality to it that only takes the story so far. And he really struggled with that and almost left the project or abandoned the project until he found the opening of exploring the concept of a fake family, in which, you know, they're assembled together, brought together through circumstance, and then is it possible to create a real family from this fake family? Is it possible to have a second life? Is it possible to love again? And made the other part of the story, serve that other purpose. So you started with a man pushed to the edge, and then found the love, afterwards. That was the. Ça a commencé donc avec ce oui. ce geste, et ensuite l'amour est devenu le thème. Oui, c'est comment c'était. C'est comme en termes dramaturgiques, on parle de sujet principal, de sujet secondaire, et comment un film bien foutu, c'est un film où le sujet principal, tout à coup, laisse passer un sujet secondaire, c'est le sujet secondaire qui devient le sujet principal. Et ça, je sais que quand on est scénariste et qu'on a ça, on est généralement assez content. So if you look at it in dramaturgy terms, dramaturgical terms, you would have like a primary subject mm-hmm. and then the secondary subject. And the primary subject creates the structure in which that secondary theme can arise and actually turn into the main part of the film. And as a screenwriter, when you come up with something like that, it's very joyful. So was the wife significant at all when you started? Because she really, I feel like, really is the co-star. She really is almost on an equal level or near an equal level with your male lead in this movie. Was she something that you started with, or did she come with a love story? Donc quand tu développais le personnage de la femme, elle a un rôle aussi important oui. que l'homme. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as dû rechercher, ou c'était un point de départ? Non, c'était comment? Je pense que votre question est dictée par le fait que le film s'appelle Deepan, le nom du personnage principal. Mais je suis pas du tout content de ça. C'est comment le film s'appelle Deepan, parce que quand le film a été présenté à la sélection de Cannes, moi j'étais au montage encore, je travaillais dedans, et comment les sélectionneurs ont dit bon, on met quel titre, là on a dit Deepan, mais une fois qu'ils ont annoncé le film est sélectionné à Cannes sous le titre de Deepan, vous pouvez plus revenir en arrière après. C'est terminé, mais je trouve que le titre ne rend pas grâce à la situation même et à la position du personnage féminin, parce que comment c'est autant l'histoire de la femme que de l'homme. Et j'irais même que elle fait un plus grand parcours que l'homme. So the fact that the film is called Deepan, it kind of imposes that idea that he's going to be the dominant or the main character. And yet, if you look at how the film was named, it was he was still in the editing process, and then the Cannes selection committee asked for a name to put, title of the film, and so they came up with Deepan. But immediately, it locks that idea of how you view the film as well. Mm. But if you look in reality, in the storytelling, that her role, she has a bigger arc. She mm-hmm. has a bigger journey than he does. And so the title is sort of misleading in terms of giving the value to each character. Well, yeah, her relationship with the uncle, I guess, or the father, and the mobby guy, the drug runner, is really the most complex and central thing going on for most of the movie, I would think. Cette relation qui se développe dans l'appartement avec
le jeune gangster, c'est tellement complexe. Et ouais, c'est intéressant. Enfin, non, j'ai coupé. C'était. Ouais, c'était intéressant ça de faire un personnage féminin qui va retourner à la possibilité de séduction parce qu'un autre regard masculin se pose sur elle. Mais il n'y a pas de, il peut y avoir une ambiguïté, mais il n'y a pas de, il n'y aura jamais d'histoire d'amour entre les deux. Simplement, cet homme-là l'a regardé différemment, alors que Deepan ne la regardait pas, l'a regardé différemment, et tout à coup, c'est le trio mimétique chez Girard, tu vois, qui nous a quittés. Et comment c'est ce regard-là qui lui rend possible le retour à l'amour, le fait d'être désirable. J'étais assez content de ça aussi. I'm sorry, it's so immodest. Voilà, ce dont je parle là, ce sont des satisfactions de scénariste. Tu vois, je les distingue un peu des satisfactions de réalisateur, mais quand le scénariste a des idées, il est très fier. Voilà. So what he wants to say is sort of satisfaction as the screenwriter who's talking is finding that the idea that is very satisfying. And that one is, and it's different from the director speaking, but the screenwriter is very happy to have found this device. Which le scénariste est arrogant, vantard, le réalisateur est modeste. The screenwriter is very arrogant and proud, but the director is very modest. And so that the device is that it is not that she has any kind of physical relationship with this other man, is that he begins to look at her in a way that his gaze onto her is different than that of Deepan. And so he says, the philosopher Girard says, the mimetic trio is that one sort of triggers the other. And so even her discovering that she could be desirable will then have an opening in her other relationship. And so that sort of screenwriting, or that sort of writing device, is that what he has given pleasure as a character. So when you decided to do these characters, this family, this fake family coming, was there research involved? Did you kind of just create a dramatic idea and wing it? was it very specific, or how did that work? Je crois que... Pardon. Vas-y. Cette idée de fausse famille, c'est juste un concept que tu as développé, non, ou tu t'es ancré dans des exemples? Ça part d'une anecdote, mais quand on me raconte l'anecdote, on comprend assez vite le parti en tiré. L'anecdote, c'est que quand je prépare le film, je croise un jeune tamoul qui me parle de son oncle, qui a fui le Sri Lanka, tout ça, et c'est arrivé à pas mal de gens qui ont réussi à fuir avec des passeports de gens morts. Donc ils ont vécu après sous une identité qui n'était pas la leur. Et quand on m'a raconté ça, j'ai tout de suite dit, tiens, voilà, mais si tout ça était complètement faux. So that idea of the fake family really started with an anecdote from a real person in the Tamil community that he talked with, a young man who told him the story of his uncle who was able to escape and become a refugee only because he came into the possession of a passport of someone who had died. And so then he had to keep that identity in this new environment. And that concept of having these dual identities was the starting point for creating this fake family. But the actual representation of it in the film, and the intensity of them, how they leave and the way they're living and everything else, is that an invention, or is that a research project, or how does quoi, la vie de la famille, tout ça? Oui, c'est le fait qu'ils s'installent comme ça. Non, ça c'est une pure invention de scénariste. Yeah. That's all invented. It's just screenwriting. Toujours le scénariste qui ramène sa fraise. The screenwriter being proud of all the great ideas. So did the screenwriter and the director ever fight? Yes, always. Yeah. on the set, it's terrible. So what? The screen. J'entends parfois le scénariste pleurer sur le set. That
The director sometimes hears the screenwriter crying on the set. Is there stuff that's not in the movie that this screenwriter really wanted that either didn't get shot or ended up on the cutting room floor? Y a-t-il des scènes que le scénariste aimait qui n'est pas dans le film du réalisateur? Non, mais le scénariste va se vanter de certaines scènes qu'il n'a jamais écrites mais que le réalisateur a tournées. No, but the screenwriter can take credit for certain scenes that he never wrote, but the director directed on, or came up with on the set. Is there an example of one in this movie? Le film était un petit peu fait pour ça, donc il y en a pas mal. Tout ce qui concerne les... toute la partie... Beaucoup de choses entre Brahim et Kali, un certain nombre de choses entre Brahim et Kali, avec le voyou. La scène entre la petite fille et Kali, et puis d'autres scènes, comment avec Shoba aussi. Quand la petite fille propose à la de devenir, tu sais, de ne pas être sa mère mais sa sœur, plein de trucs comme ça qui venaient. Alors parfois ça a été monté dans le film. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été. So the film, his approach to letting the story find its own path, that there are things that came up on the set, and that for example, a lot of the scenes of Kali, the woman at with the gangster, the scenes were found as they shot them. The scenes with the little girl, when she asks her, well, if you don't want to be my mother, maybe you can be just like a big sister. That was found on the set as well. And it's not exactly on the set. I wrote a few lines, and he would just rehearse and go. Because that's a beautiful sequence, that particular one. Mais souvent, elles sont bien ces scènes-là parce que les acteurs ne sont pas parce que les acteurs ne sont pas bridés par un texte, tu vois. Et c'est bien. En plus, quand ils ne sont pas moi, je crois que quand vous travaillez avec des acteurs non professionnels, si vous leur donnez des textes trop écrits, ils ne sont pas très à l'aise. Ils sont souvent trop serrés dedans. If when you work with non-professional actors, if you give them a script that is too tight or too constricting, you won't get these moments. And to give them the sort of with this type of process, it let things happen with this type of acting that these actors were able and capable of doing. So was that decision to go with non-professional actors inevitable? Was it what you had? Si vous faites un film français avec des Tamouls enfin qui parlent en tamil et sous-titrés, comment à Paris vous n'allez pas trouver beaucoup d'acteurs, hein? Ça, c'est d'acteurs tamouls, ça n'existe pas. À Paris, ça n'existe pas. So if you're going to make a film with Tamil actors in their own language, you're just not going to find actors. The community is too small in France, and there was no option. Ça n'existe. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas trouvé de femme pour le personnage féminin à Paris. Donc, on est allé la chercher à Chennai, et on l'a trouvée dans une troupe de théâtre. So the lead actor was found in France, but the actress, they couldn't find her, so they went to India to a town called Chennai, and there she's an actress in a theater group. So she's professional enough to know what she was doing, but not fully vested as a film actor. Donc elle avait déjà acquis. Oui, absolument, absolument. Mais pas sur. Non, pas vraiment sur un, pas au cinéma. Il faut que je fasse pipi encore. Je suis désolé. Okay. On a picture like this, where you made the choice to do something like this violence that happens at the end and the drug people and all that, are you constantly worrying about crossing the line and crossing over to actually making a genre picture? Est-ce que c'est un choix conscient de traverser cette ligne et entrer dans le film de genre? Oui, bien sûr. Yes, of course. It is a genre film. Il y a des trucs. Parfois, le scénariste l'a écrit. In this case, the screenwriter did write it. Yeah. Do you see your films as genre films? Ce sont des films de genre. Quoi? Tes films?
Non, comment souvent le genre est dedans, comme non, je vois bien comment je me lève pas le matin en me disant tiens, je vais faire un film de genre ou je vais écrire un film de genre, mais il s'avère que très souvent quand même j'ai comme une carrosserie faite avec le genre, je sais pas comment dire ça. J'ai du mal à me l'expliquer moi-même, c'est pas je sais que ça passe. Alors c'est peut-être parce que je sais que le genre va me. C'est peut-être parce que je sais que le genre va me. Va me proposer des formes, des formes, une rapidité de récit. Enfin, je sais pas, mais ça passe souvent par le genre. Il y a ça comme si c'était une espèce de truc qui était de cœur qui battait dans le fond du film, le genre. So he doesn't wake up in the morning and say, I'm going to make a genre film. But the genre is inscribed in the film. And in a sense, it's like a framework. It offers a certain structure or framework, and it gives the possibility of certain forms. And so it's something that he's aware of, but it's something he works with, and inside of this is a sort of beating heart. Mm. So there's a certain pleasure you have working in the genre elements. Cela dit, oui, il y a plusieurs. Comment là, je sais quand même que ça a été suffisamment conscient pour que on puisse se formuler avec Thomas Bidguin, avec les co-scénaristes, le fait qu'on avait envie d'un film parce que l'histoire était très simple. On avait envie d'un film qui change de genre à mesure que le personnage avance dans l'histoire et à mesure qu'il se transforme lui. Au début, ça c'est comme un film de guerre. Après, c'est un film de plutôt presque comme un film social, un documentaire. Après, ça devient un film de banlieue. Après, c'est une histoire d'amour. Et après, hop, le genre qui avait été inscrit là se retrouve à la fin. Voilà. Mais c'était comment il y a cette évolution dans le genre, même si on sait, je pense, depuis le début, que ce que je n'ai pas vu, ce qui ne m'a pas été montré dans le début du film, c'est-à-dire la guerre, va réapparaître plus loin. Voilà, comme une espèce de défaut de résilience. Quoi. So one thing they were very aware of with his co-writer. Mm-hmm. Was that as the characters evolve, the genres evolve with them. Mm. The form, not the form. Genre. Comment, oui, c'est ça, ils changent de genre. The form and the genre evolve as at the rhythm of the characters. So in the beginning, you start in a sort of war setting, and then it becomes a more of a document on the realism of what it is to immigrate, and then it's projects, you know, the life of the project. And then the love story emanates, and then it leads to this very violent chapter, which in effect ties it with the beginning, because in the beginning you don't see any of the violence, but then it takes place, the violence is sort of transposed into this new context, so there's a correspondence there. So there's an element where the idea that allowing love in and the freedom of it is pretty dangerous in both contexts, both where they were and where they end up. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a l'idée que l'amour, quand tu injectes l'amour dans cette situation, que ça peut être aussi dangereux? Non, je comprends. Non, c'est pas comment c'était tout simplement. C'est plutôt l'histoire d'un homme qui, même si je n'y ai pas assisté, c'est un homme dont je suppose qu'il s'est battu. Pour une frontière, un territoire, une langue, une culture, une certaine vision sociale, et voilà, et qu'à la fin, cette chose-là, bah, il va la mettre, comment ? Il va se battre uniquement pour ce qu'il aime, pour ce qu'il a fabriqué, pour cet amour qu'il a, pour cette fausse famille, voilà. Pour tout à coup, pour son petit territoire à lui. Il va défendre juste son territoire à lui, son territoire personnel. So you can assume that this character, the Deepan character, has had a history with where he has battled and fought for a territory, for language, for a certain vision of society, and he has this experience in his past. And then now in this story, as when the violence appears, he's battling, but for a different
for something different at stake. This time it's for love, and it's for his own territory, and so there's that sort of violence, and his warrior quality is expressed in a different way. Et c'est dans ce sens-là que le film pervertit le genre vigilante. And that's one of the ways that the film is perverts the vigilante genre. So I was thinking when I was asking the question more about her, and that she makes herself vulnerable when she finally feels comfortable enough to allow herself vulnerability. That's when the alarms start going off around her. Il dit que c'est peut-être plus dans le personnage féminin quand elle se donne, s'accorde le droit de s'ouvrir, devenir vulnérable. C'est là que tout commence à que tout dérailler. Commence à, c'est possible, c'est pas. C'est possible. Je that sais is pas. Possible. He doesn't know. So, what is your relationship with your audience? How much of an issue is it for you? How it's accepted? Whether it's beloved? Whether it's does box office? All of those things. You have? Do you? Are you much concerned about that? Avec mon public. Oui. Quel est ton mais rapport non, avec le public? Avec le public. Est-ce que ça t'importe que ah, bien le sûr. Film soit bien vu sûr, ou bien aimé sûr. Ou qu'il y ait un box-office? Ben, on fait comment? Ad minima, on fait des films pour qu'ils soient vus. Au maximum, on fait ça pour qu'ils marchent. Après, j'ai jamais trouvé... Je n'ai jamais trouvé indigne de penser le cinéma comme une industrie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on sait que moi je fais du cinéma. Comment? Moi je sais à quoi. J'ai compris assez tard à quoi me servait le cinéma. Le cinéma, ça me sert à m'adresser à communiquer avec des gens, m'adresser à des gens. Sinon je reste chez moi. Je suis très le cinéma, ça me permet vraiment. Et j'ai pas beaucoup d'outils. J'ai juste le cinéma. Je m'en suis aperçu tard. C'est dommage, j'aurais préféré m'en apercevoir avant. So at the minimum, a film, you make a film to, so it can be seen, at the maximum that it's a big success. But of course, you don't kid yourself, it is an industry, and there's nothing disrespectful about owning that. But beyond all of that, what he feels is that it's a tool, and it's his tool to communicate, and that he's discovered maybe late for him that really this is his way, his tool to communicate, and that's what the films are. So does it, do you read reviews? Do you care about reviews? Moins maintenant, mais je j'appartiens vraiment à une génération de cinéphiles, jeunes cinéphiles français qui lisaient, regardaient. Ça avait un rapport... C'était le même acte cinéphile. Maintenant, je dois dire que je lis moins. Mais c'est peut-être aussi une chose, il y a peut-être une chose aussi, c'est que peut-être que la littérature sur le cinéma a considérablement diminué. Moi, je me tente, comment... Je peux parler un petit peu ou c'est, je suis trop long? Je pense que quand j'avais... je sais pas... Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma, disons entre 1970, 80, 90, enfin disons 70, 80, être critique de cinéma était un vrai destin que pouvait se formuler un jeune homme, comme ou une jeune femme, comme réalisateur, réalisatrice, ou comme musicien, voilà, c'était un destin. Aujourd'hui, je ne sais pas si un jeune homme se dit, tiens, je vais, ou une jeune femme va se dire, tiens, je vais faire de la critique de cinéma. Moi, je pense qu'une grande partie de la critique cinéma s'est reportée vers l'art contemporain. Il y a un appel peut-être plus grand, j'ai risqué le mot nécessité, j'en suis pas sûr, mais peut-être un appel plus grand. Je pense qu'aujourd'hui, je crois que ce qui s'écrit peut-être de plus pertinent, ce qui se pense de plus pertinent, c'est peut-être plus dans le champ de l'art contemporain. Il suffit de voir comment, je crois que les revues de cinéma ont diminué, les revues d'art contemporain ont augmenté. Et je ne dis pas forcément que c'est un discours très intelligent, très subtil, parce que je trouve que c'est vraiment du côté de l'argent, là, pour le coup. Mais je crois que comment l'intelligence a plutôt tendance à se reporter, ou la réflexion, pardon, a plutôt tendance à se porter par là, il me semble. Sur là. Oui, sur là. Mm-hmm. C'est une hypothèse, mais je crois quand même que j'ai raison. Mm-hmm. So, your question,
is the critics are important to him or to Reed? And I think he was saying more so before and less so now, but that he came up in a generation that really regarded reading and viewing the film, that film criticism, like film mm-hmm. critics, and the films themselves were something that went hand in hand, and that generation, like between the 70s and 80s, that time, where you could envision somebody, a writer, wanting to be a film critic, that was a profession, and that was something like being a musician or being, it was a destiny almost. But that, in since, has sort of waned, and maybe has shifted a little bit more towards the art world, the contemporary art world, and where there's a lot more art criticism that's written about, and maybe it's drawing this sort of thought process, because in cinema there's less and less of that. And you can't really imagine perhaps a profession of that same sort of caliber as what you had maybe 20 or 30 years ago. So there's a sort of descent in terms of film criticism and maybe more of an emphasis in the art world. So for you personally, does it matter? Or is that part of the business side that you concede to? Je pense qu'on n'a pas, on va pas rentrer dans, on va pas se mettre dans une position de regret, c'était mieux avant. C'est comme ça. Voilà, mais je pense qu'il te demande si toi, pardon, personnellement, quand tu lis les critiques de tes films, pardon. Est-ce que ça t'affecte? Ah, pardon. Oui, bien sûr. Comment ça peut être, quand elles sont très mauvaises, bien sûr que ça peut m'affecter, mais je trouve ça je trouve ça complètement normal. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait que ça m'affecte. Après, c'est autre chose. On peut lire des très bonnes critiques qu'on trouve vraiment merdeuses, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des bonnes critiques qui vous sont adressées et que vous trouvez parfois vous n'avez pas trop envie de les lire non plus. Mais voilà, tout ça, c'est... Moi, je crois que c'est, de toute façon, même si ce que je dis sur la critique, sur la disparition ou l'évolution de la critique, je le pense, je pense que le jour où il n'y a plus de critique, il n'y a plus de cinéma. Il y a plein de pays où il n'y a plus de critique du tout. Il n'y a plus de cinéma non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc moi, non, je veux dire, c'est pas... Il y a des critiques qui peuvent vous faire du mal, tout ça, c'est... Ce que je conseille, ce que je conseille, que je m'applique à moi-même, c'est que généralement, quand un film sort, il ne faut pas lire les critiques, c'est absurde. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pense soit du film? Quand je sors un film, qu'est-ce que je pense vraiment de ce que j'ai fait? Je n'en sais rien. Et très souvent, je compte presque sur les questions des journalistes pour m'informer sur ce que je vais éventuellement penser, de l'idée que je vais me faire du film. So, you know... of course, you know, reading a bad critic affects him, but in a way, so what? It's just normal to read something like that. But also, likewise, if you read, you can read a very positive review or critic that is sort of banal or not well founded either. Mm-hmm. So what do you hang on to? And the fact that there, this evolution that he was talking about, having less critic mm-hmm. of film and stuff, but there's still a place, because if there's no more film criticism, there's probably no more cinema either. And there are places where that has happened, where there's no more. There's two factors don't exist anymore. Right. So they're still there, and just on a personal level. Often when he puts out a film, he doesn't really know what he thinks, and he relies on journalists to ask him what he thinks, and then he formulates his own vision. But to go seeking in the film criticism his own perception of his film, you don't do that. You don't read that stuff.
puis comment, moi j'espère qu'on va continuer à s'engueuler très 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 fort pour des films. Parce que ça veut dire que c'est un peu important, quoi, tu vois. De s'engueuler. Oui, de s'engueuler. Moi, il faut qu'on continue à se battre avec la critique, avec les confrères, tout ça. Voilà, qu'on ne soit pas d'accord. Tant qu'on n'est pas d'accord, c'est que ça existe. And if there's conflict or opposition in what you believe or what you like or in cinema, there's something fiery about that, and that means that it's still alive. Have you had a film that's ever been all love? Pardon? Est-ce que tu as eu un film qui était unanime? Dans ce que j'ai fait? Ouais. Un prophète, c'était une grosse, c'était une grosse bonne critique. Mais you tend to poke people. Mais après, on sait plus quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on voit dans cette critique? C'est pas comment? C'est formidable. Voilà. Une aussi large acceptation, ça veut dire que c'est aller assez loin dans le public. C'est ça, moi, que je retiens de la chose. Why do you keep from something that's so unanimously, you know, lauded? It's hard to know. And for him, what it leads him to think is that the film has penetrated in a deeper way with the public. Vers des publics que je ne connais pas, toi sans doute. C'est comment il y avait. Il y a une phrase comme ça que c'est dans Tolstoï, c'est dans Guerre et Paix, où il y avait deux jeunes officiers qui rejoignent le front, qui chevauchent, et il y en a un qui s'est tourné dans la tête de l'un. Alors je me souviens plus de ce que c'est exactement, mais il y en a un qui dit: connaître la gloire, être aimé une seconde par des gens que je ne connais pas. C'est être aimé une seconde par des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un drôle de truc. There's a quote in Tolstoï. That's in War and Peace, and the two officers are riding their horses to the very front, and one of them says, or is thinking, to know glory is to be loved for one instant by people who don't know you. Because I always feel like your films poke a little at people. You're provocative in a way that's part of the glory of what I like about your work so much. Is there always kind of that? Qui provoque aussi dans tes films. Ah bon? Really? Yes. Non, je ne fais pas l'innocent. Comme je disais que je fais pas de je me lève pas le matin en disant tiens je vais faire un chouette petit film de genre. Je me dis pas non plus le matin tiens je vais provoquer un petit peu. Tu vois, c'est pas. Donc je sais pas. Oui, c'est possible. Je sais pas. Ça serait quel type de provocation? En quoi ça provoque exactement? Franchement, je sais pas. Ce serait quoi? Ou alors c'est dire tiens voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être faire comment un film français parlant tamoul avec des acteurs inconnus. Mais j'ai pas le sentiment de faire de la provocation une seconde. C'est la condition pour moi. C'est la seule. Quand je formule la chose comme ça, c'est la condition qui fera que cette chose va m'intéresser. Et pour un peu que je parle à mon producteur, je dis voilà, ça sera un film comme ci comme ça, qui dit oui Jacques. Super. Ben voilà. Donc on est. Non, c'est. Je crois pas que ce soit la provocation. C'est que tout à coup, on voit un objet de cinéma. On voit quelque chose qui va être du cinéma. So it, just like he said before, he's not going to wake up and say, "Okay, I'm going to make a genre film." Mm-hmm. He doesn't think, "Oh, I'm going to wake up and push people's buttons or be provocative," because he's not quite sure what that really means. But there. It's more about finding that subject matter or finding that story that is a point of entry for him that he wants to pursue, that he can tell his producer, look, this is going to be the story of this and this and this, and there's a snap that goes, okay, this is the, you know, there's an object in that is worthy of cinema, and that if there's provocation, that's not the object is to find that piece that interests him. C'est peut-être que ce qui est provocant, c'est ça, c'est peut-être ce qu'on, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais peut-être que ce qui est provocant, c'est juste d'avoir affaire à un objet de cinéma. Tu vois, je sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais ce serait même moi quand je formule quelque chose comme ça, je me dis waouh, c'est plutôt une émotion, voilà, c'est pas provocant, c'est une émotion pour moi. C'est clair. One thing I forgot to mention is that, for example, he goes to see his producer and say, okay, I want to do this film set in France completely in Tamil with subtitles, and that
is that a provocation in and of itself? It's not so much provocation, but an emotion. It's feeling, okay, this is something that's worthy of being an object, the object of this, of a movie, of cinema. And so it's not so much provocation, but that the energy that comes from... c'est le sentiment du cinéma, toi, d'une... And wanting to make something cinematic. I think for me, it's that popular filmmakers, most popular filmmakers, either work in black and white or in gray. And I think your films tend to be both. And that that puts people who want one or the other on a little bit of edge. They have to work a little harder for your most of your films, or all of your films, really. Ils voient souvent les cinéastes populaires, ils travaillent soit en noir et blanc ou en gris. Les cinéastes populaires? Oui, et, ou qui ont du succès. Ah et bon? Lui, il voit que tu as les deux qualités. Je ne sais pas si je comprends. Je suis désolé. About the black and white and the gray, what do you? Usually you get either this very gentle, aesthetic, artistic, looks into people's lives in an intimate way that art house people love, or you kind of have these black and white, studio movies here in the United States that are kind of entertainments, and that your films. Almost most of them that I can think of right at the moment have both. It's not, you can't rely on it being just an intimate piece and just characters that you're spending time with and learning, nor can you, you get the genre also, but you don't get pure genre either. Est-ce que, voilà, est-ce que ce serait le truc entre le, qui serait un film de comment, entre le film d'auteur et le film public? Oui, bien sûr, oui. Ouais, comment, oui, alors ça c'est quelque chose de, parce que je suis, parce que je pense que je viens absolument des deux cultures, je suis fait exactement des deux. Et c'est comment, et je pense que, je crois qu'il faut toujours être dans les, il faut être dans les interstices, tu vois ce que je disais tout à l'heure, il faut être, comment, c'est comme s'il y avait des plaques tectoniques très puissantes comme ça. Il ne faut pas se mettre sur l'une, il ne faut pas se mettre sur l'autre, il faut se mettre exactement au milieu, il faut se mettre là, comme ça. Et là, il va y avoir un spectacle très intéressant. C'est là qu'il va y avoir le maximum de conflits, le maximum d'enjeux, je crois. Il faut se mettre là où il n'y a pas de... alors c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais où il y a un peu de l'impensé, où ça n'a pas été pensé, où ça n'est pas... Mais en donnant... Sans compromettre quoi que ce soit. So yes, indeed, he's a product of sort of both cultures, of having the sort of, what he was saying, like the more of an auteur cinema, and then maybe something that's more considered like popular cinema. And there's a space between the interstitial space. For example, if you see two tectonic plates in opposing forces, and there's a space somewhere between them where things have not been said yet, or things have, and at the risk of sounding pretentious, but of coming into the zone of that's neither one nor the other, but is sort of in between, and it's in a space that hasn't yet been defined, and there's something thrilling about operating inside of that. Moi, je suis surpris d'une chose, excusez-moi, il n'y a, pas de comparaison possible, mais c'est un petit peu comme on serait en 1955, 1960, il y a un certain nombre de critiques français qui voient des films américains, qui voient Ford, qui voient Walsh, qui voient Hitchcock, et qui disent, mais, qui vous regardent, les Américains, et qui disent, mais vous savez, c'est de l'art, it's just art. Et que moi, j'ai relu il n'y a pas longtemps j'y reviens tout le temps, les Hitchcock-Truffaut. Mais c'est comment, Hitchcock n'en revient pas. Tu vois, c'est pour lui, c'est impensable. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ce type-là, Hitchcock, non seulement il va répondre, mais en plus, Truffaut va s'apercevoir qu'il a toute une théorie, que Hitchcock a toute une théorie du cinéma qui est formée. Et qu'il y a presque une inversion à ce moment-là, c'est que Truffaut devient un petit garçon au fond de la classe qui prend des notes. Tu vois ce que je veux dire?
Et c'est ça, voilà. Je trouve, alors, je sais pas pourquoi je disais ça, mais c'est sur cette surprise de tout à coup, on désigne quelque chose, on dit, mais vous savez, c'est de l'art, ça. Ça, c'est mieux. Voilà, allez-y. There's an interesting way of viewing film as an art piece. And for example, in the 50s and 60s in France, you have the critics that turn to America and they're looking at Hitchcock or John Ford. Walsh. Or Walsh, and they're saying, these are works of art. Mm-hmm. And he reads and rereads the Truffaut-Hitchcock interview. Because what at first is a critic who's coming to interview, you know, filmmaker, and Hitchcock has this vast vision of what cinema is and a vast theory about it. And as the interviews go, like Truffaut gets smaller and smaller into a little schoolboy. He's just a pupil. A little pupil at the bottom of the classroom. Taking notes with this great artist, this master. And so when you look at film, do you see the artist? Do you see the filmmaker as an artist? Mm. When I see your films, I do. No, c'est trop gentil. Too kind. It's true, though. Thank you so much for your time. You, appreciate you. It.